Bonjour, Marc-André Mercier du récit Maths, Sciences, Technologies. Donc aujourd'hui, on va regarder un peu dans cette vidéo-là un nouvel outil que Microbit a mis en ligne, donc un Classroom qui permet justement de partager des programmes avec les élèves, de voir le travail que les élèves sont en train de faire en temps réel à votre écran. Également, il est possible à la fin, supposons, d'une période, les élèves n'ont pas terminé de travailler dans leur projet, bien, il est possible de sauvegarder, puis ensuite de repartager le même projet là, lorsqu'on va se rebrancher à une période future. Au niveau de, c'est sûr, c'est une version bêta, donc ça se peut qu'il y ait des ajustements qui soient faits. Au niveau du côté un peu négatif, il y a deux choses. D'un, l'interface est en anglais pour le classroom uniquement. Quand les élèves arrivent dans le bloc de programmation, ils sont capables de le travailler en français. Mais également, il faut absolument que, deuxième côté négatif, un petit peu, que l'enseignant soit branché pour que le classroom fonctionne. Donc, faut il faut qu'il soit dans la session pour être capable de faire fonctionner le classroom. Ça n'empêche pas les élèves de continuer à travailler, supposons, individuellement sur leur code dans MakeCode, puis ensuite de ça, de réimporter justement leur programme dans leur interface. Mais si on veut travailler dans le classroom, il faut absolument que l'enseignant ait ouvert la session. Donc, pour utiliser Classroom de Microbit, on va aller à l'adresse classroom.microbit.org. On va arriver à cette page-là. La seule chose qu'on a à faire, c'est créer un nom à l'activité, donc Récit MST, que je vais nommer. Ensuite de ça, ben, quel langage qu'on veut utiliser? Pour nous autres, avec les élèves, on va utiliser MakeCode, puis il y a un bel avantage d'utiliser MakeCode. D'un, c'est des blocs. Deuxième chose, c'est que dans l'interface MakeCode, il y a un simulateur. Donc, oui, si les élèves sont en classe avec le Microbit dans les mains, ça va bien, mais si on veut faire, supposons, à distance, ou même j'ai pas assez de Microbit pour tous les élèves, ou encore enseignement à la maison, on peut, pareil, faire des projets de programmation avec les élèves avec Microbit, parce que dans mes codes, il y a un simulateur qui permet aux élèves de voir qu'est-ce qui se passe là, avec les étapes de programmation ou programmes qu'ils vont avoir réalisés. Donc, une fois que c'est fait, on va tout simplement partir le Classroom. Et une fois que ça c'est fait, ben on va aller dans, comme première action, dans l'éditeur. Donc, dans l'éditeur, c'est l'endroit où on fait notre programmation. On peut le laisser vide. À ce moment-là, les élèves vont arriver dans un espace de travail vide, puis ils vont faire eux-mêmes leur programme. Mais lorsqu'on commence en programmation, c'est intéressant de proposer justement aux personnes qui n'ont jamais fait de programmation, ben voici des blocs que je te propose. Donc, on peut leur proposer divers blocs qu'on va venir tout simplement placer dans notre interface, puis on va venir partager ce code-là avec les élèves. Donc, c'est une façon de faire qui peut être efficace. On peut aussi, si on a déjà des codes qu'on a déjà travaillés, il est possible de retourner dans notre base de données de code. Donc, supposons capteur SOS, code de départ SOS. Bien, si je prends le programme puis je l'amène sur mon espace de travail, bien, automatiquement, il va se charger. Puis là, bien, je peux partager. Vu que le code a changé, bien, on va venir partager à nouveau avec les élèves ce code-là. Donc, ça, c'est la façon de faire. À chaque fois que je vais changer, supposons que je pars un nouveau projet, bien, je vais tout simplement partager avec les élèves. Puis à la fin, complètement, il faut absolument que je clique sur Share Code with Students. Sinon, bien, les élèves ne vont rien avoir. Maintenant, pour que l'élève puisse venir se joindre au Classroom, bien, on va devoir aller sur Dashboard. Donc, dans Dashboard, il y a trois informations importantes. À quelle adresse les élèves doivent aller? Donc, c'est toujours microbit.org. Par oblique join. Et là, je vais avoir besoin, donc, afficher ou donner aux élèves le code. Donc, c'est des menus déroulants, quatre menus déroulants, plus le code à ces chiffres. Donc, si on va voir la fenêtre que l'élève va avoir, donc, sur microbit.org par oblique join, ben, je vais venir rentrer couleur animal, transport, puis objet. Donc, indigo, lion, fire engine, puis saxophone. Donc, indigo, lion, Fire Engine puis Saxophone. Puis une fois que c'est fait, ben on va avoir besoin du code ici 340 420, 340 420, non 240, 230, pardon, 230 420, et on va tout simplement cliquer sur Continuer. Chaque élève va devoir se rentrer un nom, donc on va dire Marc, et on continue. Et voilà l'interface que l'élève a. Puis là, ben, l'interface, il peut commencer à faire son projet puis à placer ses blocs. Donc, supposons dire, ben, moi, je vais venir placer ça ici. Comme enseignant, ce qu'il y a d'intéressant, donc si je reviens à l'interface de l'enseignant, si je vais voir dans Student Code,
suis capable de voir pour chacun de mes élèves c'est quoi qu'il est en train de faire. Donc, si je reviens à la page de l'élève, puis je viens ajouter, supposons, répéter 3 fois, puis je place ça à l'intérieur, puis je vais retourner voir l'enseignant, bien, je vois au fur et à mesure les modifications que chaque élève va avoir fait. Donc, ça, c'est une autre chose qui est très intéressante. Donc, je vais revenir sur la page de l'élève. Je vais juste venir dupliquer parce que je vais partir un nouvel élève pour avoir 2 élèves pour voir qu'est-ce que ça donne au niveau de l'affichage. Donc, j'ai besoin de revenir dans le dashboard. Indigo, Lyon, Fire Engine, Saxophone. Je ne m'en rappelais plus. Donc, on va venir ici. Indigo, Lion, Fire Engine, Saxophone. Et on va avoir 230, 420 comme code. Et continuer. Et là, je vais partir André. Donc, ici, j'ai André, ici, j'ai Marc. Donc, on va dire que donc, supposons ceci, puis là, André décide d'aller chercher d'autres. Il va mettre ça à la poubelle. Donc, si on va voir au niveau de l'enseignant, Student Code, j'ai mes 2 élèves. Puis, si je vais voir sur André, bien, je suis capable de voir qu'est-ce qu'André a fait jusqu'à présent. Donc, ça, c'est très intéressant. Je pourrais, à l'écran, supposons que je suis en enseignement à distance, je pourrais facilement regarder chacun pendant que les élèves travaillent, puis dire, bon, Marc, hey, c'est bien parti, ça va bien. Peut-être, si tu voulais changer telle chose, va voir dans tes blocs, tu pourrais trouver tel bloc qui pourrait faciliter ces choses-là. Dans l'interface toujours Student Code, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à tout moment du projet ou de l'activité avec les élèves, je peux télécharger un document Word qui va faire me présenter tous les codes des élèves. Donc, si je clique dessus, juste pour vous montrer ce que ça fait, puis ça pourrait être fait seulement à la fin complètement d'un projet. Donc, on va tout simplement enregistrer. Je vais l'ouvrir pour vous montrer ce que ça donne. Donc, on va avoir sur le document la date où ça s'est fait, le nom de chacun des élèves qui était présent. On va avoir le code de départ que j'ai proposé, puis voici le code d'André, voici le code de Marc, et ainsi de suite, où est-ce qu'il était rendu à la fin d'une période. Donc ça peut être intéressant d'avoir une copie si on veut garder des traces de ce que les élèves ont fait au niveau du code. Supposons, on va revenir au code d'élève, on va dire, ben, André, ça va très bien. Marc a encore besoin de temps pour finir de travailler. Donc je reviens sur André. André, il me dit, moi, j'ai fini. Donc, supposons, on vient ici, on dit, puis, comment tu te sens par rapport à l'activité? Ben, moi, je me sens très, très bien, ça a été facile. Puis là, il y a un sign-out. Si je clique sur sign-out, il va sortir du classroom. Mais supposons, on veut lui proposer une seconde activité. On lui dit, clique pas tout de suite sur sign-out. Moi, ce que je vois, c'est que André, ici, dans mon classroom, comme enseignant, c'est qu'il a fini. Donc, je vais venir sur l'icône éditer ici, puis je vais dire, il est encore en progrès. Puis je vais apply change. Donc, si je reviens pour voir, je sais que je me promène beaucoup d'une fenêtre à l'autre, là, mais on voit ici André, ça vient, il a pas fini. Je viens de le remettre en progrès comme projet. Et là, ce que je vais faire, je vais dire, ben, regarde, André, je vais te proposer un nouveau code. Donc, je peux prendre ce qu'il y a ici, tout simplement me débarrasser de ça. Je vais dire, ben, André, utilise les blocs qui sont ici maintenant pour, supposons, faire apparaître. Un objet quand ça va apparaître, puis ce sera un autre à ce moment-là. Et là, je vais pouvoir venir tout simplement share code with student, puis je dis, ben, je veux seulement le partager avec André et non avec Marc, et je vais envoyer. À ce moment-là, ce qu'on va avoir, donc ce qu'on va avoir, c'est Your teacher has sent you some code. On va dire use code. Puis à ce moment-là, le nouveau programme va être chargé, l'ancien va disparaître, puis on va pouvoir recommencer. Puis là, c'est seulement André qui va avoir justement là, cette interface de travail-là. Bon, on va garder seulement Marc là, pour la dernière partie. À la fin complètement ou encore, supposons à la fin d'une période, comme je vous avais dit, on peut sauvegarder le Classroom. Donc à la fin, ce qu'on vous recommande, c'est de dire, ben, je vais sauvegarder le Classroom. Donc, je vais venir ici, donc dans notre Classroom en HTML. Donc, je vais l'appeler RCMST tout simplement. Je vais dire oui.
Puis je vais tout simplement fermer ma période. Ou je pourrais faire ça aussi dans ma planification. Supposons, je suis lundi, puis le mardi, j'ai mon cours avec mes élèves ou le projet que je veux faire. Bien, lundi, je peux préparer, sauvegarder le classroom, puis sortir, donc end session. Puis si je retourne sur mon bureau, ça ne sera pas long. Puis je viens ici, Récit MST, puis je double-clique. Bien, il me dit, bien, voici quand il a été sauvegardé, puis il y avait deux élèves. Et là, à ce moment-là, je reviens. Puis si je vais voir dans le code de mes élèves, là, présentement, ils sont hors ligne, ils ne sont pas branchés, mais je vais avoir le code où ils étaient rendus lorsqu'on a terminé. Donc, je pourrais refaire faire un tour le soir là, sur ce document-là pour faire de la correction ou faire un retour avec les élèves. Puis, lorsque c'est le temps de refaire l'activité, ben, il va avoir un nouveau code que les élèves vont devoir rentrer. Donc, si supposons, alors, je vais prendre la position d'un élève qui est ici. On va microbit.org access join. Donc, si je vais voir le code, ping bear fire engine sunglasses. Pink Bear Fire Engine Sunglasses. Puis le nouveau code 564254 564254. Quand il va venir pour retourner dans cette classe-là, il va me demander, rentre les trois premières lettres. Donc supposons moi c'est Marc, bien, il va avoir une liste qui va proposer. Puis là, je vais retourner. Puis vous allez voir, c'est le code que Marc avait quand il avait terminé sa période. Puis là, il va pouvoir continuer à partir de là. Donc ça, c'est un beau plus qu'on peut utiliser à ce moment-là. Donc, voici ce que vous pouvez faire. Je vous encourage justement là, à l'utiliser, puis voir qu'est-ce que vous êtes capable de faire avec.